arbres majestueux, en fait, vous l'avez constaté vous-même, nous avons observé une longue trêve, indépendamment de l'ordre de l'arbre, dû à des problèmes techniques, etc. Alors, nous savons tous que nous sommes au cœur de l'année scolaire, on est en train même d'apercevoir le bout du tunnel, c'est-à-dire la fin de l'année. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous plonger au cœur d'un sujet susceptible de sortir au bac. C'est valable aussi pour le programme de la première et de la seconde, bien entendu. Quel est ce genre de sujet? Ce genre de sujet dérive de la littérature en général. Comme vous avez constaté au niveau du titre, comment traiter un sujet sur la littérature en général. Alors, maintenant, pour être dans les dispositions de traiter un sujet sur la littérature en général, l'élève doit impérativement comprendre d'abord les fonctions de la littérature. Alors, quelles sont les fonctions de la littérature? La compréhension peut être trop facile si l'élève comprend les fonctions de la poésie, ou bien celle du roman, ou bien celle du théâtre, et on essaie de faire un peu la comparaison. Alors, si nous prenons le premier jalon, c'est pour parler de la poésie, on dit que la poésie tourne autour de deux grandes fonctions. C'est valable aussi pour la littérature. Alors, nous avons la poésie engagée, nous avons la littérature engagée. Nous avons la poésie non engagée, nous avons la littérature non engagée. Maintenant, en ce qui concerne la délaissée, pour ne pas dire la littérature non engagée, quand est-ce que nous avons cette fonction non engagée? C'est lorsque l'écrivain se démarque complètement des questions sociales. L'écrivain ne se soucie pas des problèmes de la société. Il est considéré comme un écrivain passif. Ça peut être un poète, ça peut être un romancier, comme ça peut être un dramaturge. C'est ça qui nous donne le droit de définir comme la littérature. C'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales, regroupant les jargons, le roman, le théâtre, la poésie. Qu'est-ce que cela veut dire? La fonction non engagée de la littérature veut tout simplement dire la fonction non engagée du roman, la fonction non engagée du théâtre, la fonction non engagée de la poésie. Il y a aussi d'autres genres que je vais évoquer. Ce que je n'ai pas évoqué, on ne peut pas tous les évoquer, nous avons aussi le temps. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, c'est lorsque l'écrivain nous suit les questions de la société. Je l'ai dit tantôt, ça peut être le poète, ça peut être le romancier, comme ça peut être le dramaturge. Alors, dans cette fonction de langage, nous avons d'abord la fonction divertissante de la littérature. D'autres l'appellent la fonction ludique, certaines préfèrent la fonction distractive, d'autres aussi préfèrent mettre en valeur sur le mot évasion, autrement dit la littérature comme évasion. Alors, qu'est-ce qu'une fonction divertissante? Ou bien public, ou bien distractif, ou bien évasif, c'est lorsque l'écrivain essaie d'aider son lecteur à se débarrasser des problèmes de la vie, à évoquer le stress. L'écrivain, dans ce cas de figure, essaie de pousser le lecteur dans un monde sublime, dans un monde fabuleux, dans un monde extraordinaire. Poétiquement parlant, c'est le cas des poètes symbolistes ou bien des poètes surréalistes qui mettent en valeur la poésie comme évasion, c'est l'équivalent de la distractive. Romanesquement parlant, c'est le cas par exemple des romans qui relèvent de l'invraisemblance, des romans dont leurs histoires dépassent le cadre de la raison, ou bien le cadre qui décale. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le roman n'a pas à délivrer des messages, le roman c'est l'évasion. Nous avons Juliette Green, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roman est la fenêtre par laquelle on s'évade, autrement dit, le roman est un moyen de libération. Il est fait réparti, Juliette Green, le roman n'est que l'ébrouille de sublimation. Dans ça, nous on peut aussi avoir l'expression théâtrale qui fait allusion à la distraction par le biais de la comédie. La danse, la raffinerie, le dramaturge, comment il cherche à aider son lecteur à se débarrasser des problèmes de la vie par le biais du rire. Car sur le dramaturge, le rire est une activité qui semble être vitale après une dure journée, marquée par une concentration, marquée par le stress. L'homme est obligé de chercher l'équilibre en lisant le théâtre. C'est la raison pour laquelle Bertolt Brecht déclare, qu'est-ce qu'il nous dit? Un théâtre où on ne rit pas est un théâtre où on va rire. Fermé par qui? Monsieur Molière, Jean-Baptiste Coquelin, que dit Molière? Molière dit, je me demande si la règle de toutes les règles n'est pas pleine. Et là, vous avez la fonction direction de la littérature. Nous avons deuxièmement, nous avons la fonction libre. Mais avant, cette fonction libre, comprenez une bonne forme, du moins, le divertissement, c'est lorsque l'écrivain aide son lecteur à se débarrasser de la vie, à se libérer du chagrin. Alors, nous avons la deuxième fonction non engagée plus connue sous le nom de la littérature lyrique. Alors, c'est lorsque l'écrivain raconte sa propre vie, revient sur les étapes qui ont marqué son existence. Donc, ces sentiments ou bien ces histoires sont souvent marquées par la présence de la première personne. Le je, le me, le moi, le mon, le mien. Alors, là, ça ne va pas poser de problème. Parce que, poétiquement parlant, nous avons une liaison personnelle plus connue sur l'exaltation du moi, l'expression des sentiments personnels, avec qui l'homme de Besançon, l'homme des contemplations, le père de Léopoldine, M. Victor Hugo, dans son chef-d'œuvre intitulé Les Contemplations, duquel est créé le poème de Ménélo, où il pleure la perte du temps de sa fille. Que dit le chef-d'œuvre du mouvement romantique dans cette aspérité? Je ne regarderai ni l'homme de soi qui tombe, ni les voies de l'homme descendant de la foule. Autrement dit, le poème n'a plus pour la vie. D'autres parlent par rapport au roman. Dans cette aspérité, le romancier peut essayer de rapporter sa vie en guise de souvenir. Autrement dit, le romancier essaie de plonger ses lecteurs dans son monde idyllique. Le romancier est là pour être en réalité ce qu'on appelle faire devenir ses lecteurs dans sa vie marquée par son enfance. Qui est ce type de romancier? Nous avons le grenier Kamaralai dans son chef-d'œuvre intitulé L'enfant-père. Le grenier confesse: j'étais enfant, je jouais près de la case de mon père, quel âge avait ça? Dans ce cas, vous avez compris que le romancier est parti pour se souvenir de son enfance, on ne peut pas tous décider. D'autre part, dans la fonction de toujours, le romancier a passé ce qu'on appelle par là confidence. Il est considéré comme un confident vis-à-vis de ses lecteurs. C'est le cas de Jean-Luc Souhan dans ses confessions qui déclare: je vous montrerai à mes semblables mon homme dans toute sa vérité naturelle, et c'est comme ce sera moi. Il pousse trop le bouchon. Même le jour du jugement dernier, je serai devant le bon Dieu, accompagné de mon livre entre mes mains. Et vous avez la roman autobiographique ou bien le roman lyrique et la poésie qui font aller chanter la littérature lyrique. Alors, je n'attends pas que vous me posiez la question sur est-ce que le théâtre lyrique existe? Oui, mais attention, le théâtre lyrique est diamétralement opposé au roman lyrique et à la poésie lyrique pour la seule et simple raison. Le théâtre lyrique est manqué par l'absence du jeu. Autrement dit, le drame ne raconte pas sa vie. Il cherche à toucher la sensibilité des lecteurs par le biais d'une histoire très sentimentale vécue par les personnages. C'est le cas d'Alfred Musset dans son ouvrage intitulé On n'en parle pas. Comprenez que dans cet ouvrage, en aucune manière, Musset ne fait pas allusion à sa vie, à la différence des romanciers et des poèmes. Donc, la poésie lyrique et le roman lyrique sont marqués par la présence du jeu. Autrement dit, le poète ou le romancier raconte sa propre vie. Le théâtre lyrique, comme j'ai dit tantôt, est marqué par l'absence du jeu. Le conseil que je vous donne, si on vous donne une littérature qui semble être lyrique, dans la démarche, ne touchez pas la terre parce que c'est des plus personnels en réalité. Ça, ce sont les deux fonctions qu'on va avoir dans la littérature. Elle est composée de deux fonctions réellement engagées de l'analyse. Nous avons la fonction du sang, lorsque l'écrivain et de son lecteur se débarrassent des points de la vie. Nous avons la fonction lyrique, lorsque l'écrivain essaie de raconter sa propre vie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la fonction engagée de la littérature. Pour la comparer, c'est très simple. Ici, c'est lorsque l'écrivain ne suit pas les problèmes de la société. Ici, c'est lorsque l'écrivain se soucie des problèmes de la société. Comme j'ai dit tantôt dans mes explications, l'écrivain peut être le poète, il peut être le romancier, il peut être le dramatiste, comme il peut être le conteur, parce que c'est la littérature qui a le jeu. Maintenant, dans cette fonction engagée, plus connue sur le nom de l'engagement, dans le fond, on peut avoir le militantisme. Qu'est-ce que le militantisme? C'est lorsque l'écrivain transforme sa plume en épée et dénonce ce qu'il considère comme des actes de l'étranger. L'écrivain devient le porte-parole de la société. Conscient de son appartenance à la société, il se démarque de sa position de spectateur et met son âme au service d'une cause. Là, il met en œuvre le militantisme. Alors, dans le militantisme, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'engagement politique, nous avons l'engagement social, nous avons l'engagement culturel, nous avons l'engagement religieux. Maintenant, pour donner des exemples, politiquement parlant, dans l'aspect politique, nous avons Hugo dans les châtiments qui dénonce Napoléon en reversant musique par terre. Dans le roman, politiquement parlant, nous avons le programme Les élèves de terminale, Amadou Kourma dans les sommets des indépendances, qui dénonce le parti unique, synonyme de dictature et d'absence de liberté. Dans l'engagement social, nous avons toujours votre programme, cette fois-ci, dans la littérature française, Albert Camus dans l'étranger, qui aide la société à revoir ses mots. C'est la raison pour laquelle il a déclaré: j'ai résumé mon œuvre, vous entendez mon œuvre, l'étranger, lors d'un reportage aux États-Unis, plus précisément à New York, même si je sais que les mots sont paradoxaux. Que dit l'existentialiste quand il déclare: dans notre société, le jour de l'enterrement de votre moment, si vous ne pleurez pas, vous serez condamné à mort. Il l'a démontré avec la condamnation injuste du personnage de Mossoul, qui fait arrêter parce qu'il a assassiné l'arabe. Mais Mossoul a été condamné à mort parce qu'il n'a pas, s'il a intéressé à commencer à pleurer. Là, ça devient ce qu'on appelle contradictoire de l'engagement religieux. Maintenant, deuxième but d'engagement dans la fonction, nous avons la fonction éducative. plus connue sous le nom de la fonction didactique, ou bien la fonction pédagogique, ou bien la fonction instructive. Dans ce cas de figure, le romancier, ou bien le poète, ou bien le dramatiste, en quelque sorte, en grosso modo, l'écrivain ne dénonce pas, mais il essaie de se comporter comme nos parents vis-à-vis de ses enfants. L'écrivain invite ces derniers à se débarrasser du mauvais comportement. Il se comporte comme un médecin au chevet de son propre mal. Il prend les coups sociaux, il dresse un diagnostic sans complaisance. Du point de vue théâtral, on peut avoir le cas de Molière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le théâtre est un miroir des défauts. Nous avons dans le roman, pour le voir, qu'est-ce qu'il nous dit? On ne lit pas un roman, on se lit dans le roman. Le roman est une leçon de morale que chaque lecteur doit décrypter pour son propre usage. Du point de vue poétique, on a dit, nous avons mon cher Nicolas Barreau qui tente de décrire la société à travers deux mots. Si c'est une réussite dans la vie, quels sont les deux mots? Nous avons ce qu'on appelle la patience et le courage. C'est la raison pour laquelle le partisan du mouvement classique déclare, à des mouvements, commence à faire le courage. Faites face sur le métier, remettez votre courage. Vous laissez le sans cesse et le nourrissez. Ajoutez quelques phrases et souvent effacez. Et là, vous avez ce qu'on appelle la colonne vertébrale des fonctions de la littérature. Si l'élève a la main sur ces actions dont je viens d'expliquer, et une nouvelle économie, bien entendu, l'élève est dans les dispositions de traiter un sujet qui a pour thème général la littérature. Même en traitant le sujet, on a besoin de constater la présence de deux ans littéraires au minimum. Alors, si je dis au minimum, ça se demande, l'élève peut faire 3 ans littéraires, voire 4. Mais il ne faut jamais emprunter la voie de la littérature avec la prise de l'introduction en passant par le développement jusqu'à la conclusion. Ne le faites pas avec le roman seulement, ne le faites pas avec le théâtre seulement. Si vous le faites, vous avez tort, parce que vous n'avez pas traité la littérature, mais vous avez traité soit la poésie, soit le roman, soit le théâtre. Maintenant, pour éviter de tomber dans le piège, par exemple, au niveau de la thèse, l'élève peut passer par la poésie s'il veut, le premier paragraphe, deuxième paragraphe, il attaque le roman. La nuance, il peut faire la même chose. Un autre élève, la thèse, il veut faire la poésie seulement. La nuance, il ne peut pas les lire seulement, ou bien du théâtre seulement, il a raison. L'essentiel, nous avons besoin de constater la présence de deux genres littéraires. La poésie et le roman. Ou bien le roman et le théâtre. Si vous voulez aussi, vous travaillez avec les trois genres littéraires, ou bien ce qu'on appelle les autres genres qui sont là. Dans ce cas, nous avons ce qu'on appelle la littérature en général, en quelque sorte. Maintenant, vous avez constaté une chose. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ça, c'est le risque d'application. Par rapport à ce que j'ai dit. J'ai expliqué les fonctions de la littérature. Maintenant, l'élève qui comprend comme j'ai dit, il est dans les dispositions de traiter le sujet. Pour aller très vite, vous avez l'habitude de regarder ça, d'entendre ça, mes déclarations, mes explications, devant le sujet de la première lection et de savoir est-ce que nous avons affaire à un sujet analytique ou bien à un sujet dialectique. Qu'est-ce qu'un sujet analytique? C'est un sujet à un seul point de vue. Qu'est-ce qu'un sujet dialectique? J'ai l'habitude de le dire, c'est un sujet à plusieurs points de vue. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est François Moyac qui réagit. Qu'est-ce qu'il dit? Écrire, c'est se livrer. C'est exactement l'écrivain lui-même que le lecteur cherche dans son livre. Là, on sait qu'on ne peut pas avoir deux idées différentes. Donc, forcément, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un sujet analytique. Parce que si on se livre, effectivement, on se livre pour l'auteur. Parce que pour le lecteur, bien entendu. Parce que le lecteur est en train d'être familier, ce qu'on appelle à l'auteur. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que nous avons affaire à un sujet analytique. Alors, on est obligé de vous avec à la fond de nos discours. Rendez-vous dans 15 jours sur le chapitre. Je vous remercie de votre présentation.